Marie ? Marie Cardona ? Vous êtes revenue ? Oui, vous voyez. Vous êtes en deuil ? Maman est morte. C'était quand ? Aujourd'hui. Peut-être hier. Je ne sais plus. Je lui ai demandé si elle voulait venir au cinéma le soir. Elle a encore ri et m'a dit qu'elle avait envie de voir un film avec Fernandel. Le film était drôle par moments et puis vraiment trop bête. Elle avait sa jambe contre la mienne, je lui caressais les seins. Vers la fin de la séance, je l'ai embrassée, mais mal. En sortant, elle est revenue chez moi. Quand je me suis réveillé, Marie était partie. Elle m'avait expliqué qu'elle devait aller chez sa tante. J'ai pensé que c'était dimanche et cela m'a ennuyé. Je n'aime pas le dimanche. Alors je me suis retourné dans mon lit. J'ai cherché dans le traversin l'odeur de sel que les cheveux de Marie y avaient laissé et j'ai dormi jusqu'à 10 heures. J'ai fumé ensuite des cigarettes, toujours couché, jusqu'à midi. Après le déjeuner, je me suis ennuyé un peu et j'ai erré dans l'appartement. Il était commode quand maman était là. Maintenant, il est trop grand pour moi. J'ai dû transporter dans ma chambre la table de la salle à manger. Un peu plus tard, pour faire quelque chose, j'ai pris un vieux journal et je l'ai lu. J'y ai découpé une réclame des selles Gruchen et je l'ai collée dans un vieux cahier où je mets les choses qui m'amusent dans les journaux. Je me suis aussi lavé les mains et pour finir, je me suis mis au balcon. Eh bien, voyons, Milord. Souriez-moi, Milord. Mieux que ça. Un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord. Restez ce matin. On déjeune ensemble. Je suis descendu acheter de la viande et en remontant, j'ai entendu une voix de femme chez mon ami Raymond. Ça m'est passé revenu. Tu m'aimes ? Cela ne veut rien dire. Mais il me semble que non.
C'est moi, je peux rentrer? C'est mon ami, Raymond. T'inquiète pas, je te laisse avec lui. Comment s'est passée l'affaire avec ta femme? J'ai fait ce que je voulais. Mais elle m'a giflé, alors je l'ai battue. Ça oui, et pour le reste? J'ai entendu ce matin. Il me semble qu'elle est punie maintenant. Tu dois être content. Et d'ailleurs, je devais te parler d'un truc. J'ai été suivi toute la journée par un arabe. Je crois que c'est le frère de mon ancienne maîtresse. Avec son regard, on aurait dit qu'il avait envie de me buter. Bataille pas. Ça se trouve, il se souvient plus de ta tête. Si tu le vois près de l'appart, avertis-moi. Bon, ça te dit de venir dimanche à la plage avec moi? Comme quand on était gosse. Je veux bien, mais j'ai promis ma journée à une amie. Invite-la aussi, ça changera. Tu voudrais te marier avec moi? Ça m'est égal. Et on pourrait? Tu veux? Tu m'aimes? Ça ne signifie rien. Mais je ne t'aime sans doute pas. Pourquoi m'épouser alors? Ça n'a aucune importance. Mais si tu le désires, nous pouvons nous marier. D'ailleurs, c'est toi qui le demandes. Je sais pas si je t'aime finalement. T'es bizarre. C'est peut-être à cause de ça, mais un jour je te détesterai pour la même raison. Moi je veux me marier avec toi. Dès que tu le voudras. Mon patron propose un poste à Paris. J'aimerais vraiment aller à Paris. En plus, ça nous permettra de changer de vie. On ne change jamais de vie. En tout cas, tout se valent. Et la mienne ici ne me déplaît pas du tout. Tu n'as vraiment aucune ambition. Attends. Raymond nous propose d'aller à la plage demain. Tu viens? On se retrouve ce soir. T'as une tête d'enterrement ce matin. Tu es belle. Il fait vraiment très beau aujourd'hui. Salut vieux. Bonjour mademoiselle. On y va à pied? La plage n'est pas loin. Qu'est-ce qu'il y a? Un arabe qui en veut à Raymond. Partons. Oui, dépêchons-nous. Tu m'as pas embrassé depuis ce matin. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est
C'est l'arabe. Il nous a suivi. On s'est battu, il avait un couteau. Attends. J'ai un mouchoir. Va te désinfecter dans l'eau. Viens avec moi. Je descends. Il ne t'a pas encore parlé. Ça fait vilain de tirer comme ça. Alors je vais l'insulter et quand il répondra, je le descendrai. C'est ça. Mais s'il ne tire pas son couteau, tu ne peux pas le tuer. Prends le dôme à homme et donne-moi ton pistolet. Si l'autre intervient ou s'il sort son couteau, je le descends. La trouille, ce con. Étranger.